j'imagine, je change de style. Et là, je la pécho. Comment ça va? Et je vous retrouve comme chaque dimanche pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors cette semaine, sachez que mon cœur est brisé. Mon crush n'a pas été très tendre avec moi pour me dire non. Je pense que je me suis jamais pris un aussi grand râteau que dans la dernière vidéo. Ça pique les yeux. Et du coup, quand on se prend un coup comme ça, on a du mal à se relever. Et avant de se relever, on fait une petite introspection. On se demande ce qui n'a pas tourné rond. On se demande ce qu'on a fait de mal. J'ai regardé la vidéo plusieurs fois pour comprendre qu'est-ce qui va pas. Est-ce que je suis moche? Est-ce que je parle mal? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis pas drôle? Je sais pas ce qui va pas. Et je crois, les amis, que j'ai trouvé. C'est mon look qui coince. Mon look ne plaît pas aux femmes. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le taureau par les cornes. Je vais aller directement à la source et je vais demander à Lou comment il faut que je m'habille pour conquérir son cœur. Oui, allô? Oui. J'avais juste une petite question à te poser par rapport à la vidéo. T'as dit que t'aimais pas mon style vestimentaire. Oui. C'est quoi, genre, ton idéal de style vestimentaire masculin? Simplement, genre, par exemple, petit t-shirt simple avec jean et sens. Je sais pas, je suis pas très sur ça. Ok. Pas donc toi, en fait, c'est assez classique. C'est normal, quoi. C'est le simple, enfin, quoi. Voilà, c'est le ouais, simple. Voilà, c'est ça. Et moi, en fait, je m'habille pas du tout simple. C'est tout. C'était tout ce que j'allais te demander. Voilà, tu recherches pas un clown, quoi. Non, mais t'es pas un clown. Non, mais. Non, mais un mec qui s'habille un peu discret, quoi, qui est pas en train de. Voilà, exactement. Voilà. Ok, d'accord. Qui passe partout, genre. Bon, bah, ok, bah écoute, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je vais changer de style pour toi. Pas trop de couleurs, simple, discret. C'est parti, vous venez avec moi? Est-ce que vous pensez que je dois changer de style vestimentaire pour plaire aux femmes? Non, moi j'aime bien. Non? Tu seras plus toi-même alors. Alors si elle t'aime pas pour ce que tu es toi, il y a un problème. Je suis pas sûr que Clara, tu sois la meilleure conseillère pour que je commence à m'habiller un petit peu plus sobre pour Marc. Ah, c'est pour que tu t'habilles plus sobre? Ouais, parce qu'en fait, Lou, mon crush, elle veut pas de moi. Parce que je m'habille avec trop de couleurs. Sérieux? Et pas assez simplement. Donc du coup, j'ai envie vraiment de changer pour elle. C'est compliqué quand même. J'ai envie de changer toute ma personnalité. Pour elle? Tout. J'ai tout envie de changer. Pour elle. Simple, discret, pas trop de couleurs. Lou. Lisa, on arrive. Lou, est-ce que tu voudrais te marier avec moi? Non mais, on a dit un petit peu moins de couleurs et un petit peu plus de simplicité, je vais pas porter ça. Mais si, de ouf. Apporte-toi. Pour Ibiza, ce serait trop bien. Tu veux pas mettre des chapeaux un peu comme ça? J'ai la pire conseillère du monde. Alors, déjà aucun de ces pantalons. C'est dommage parce que je trouve que... Ils sont grave jolis. Putain, ils sont trop bien. Genre jaune là comme ça, après. Ouais. Oh, il est trop beau. Oh là là. Orange, le orange là comme ça, je le trouve incroyable. C'est très très beau. Non mais tu veux pas que je mette ça? Tu sais pourquoi t'es là? T'es là pour m'aider à apprendre à m'habiller de manière un petit peu plus sobre. Un peu moins de couleurs, etc. pour que je puisse plaire à mes crushs. C'est vraiment mal rangé ici. Je trouve rien du tout. Ça, c'est vachement sobre. J'ai l'impression que t'as pas envie de m'aider, Mathilda. Non. Les deux, vous avez pas commencé à me casser les couilles. Hein. Non, mais c'est ça. Vous m'aidez pas énormément, je trouve. En plus de ça, vous me trouvez que des vêtements qui sont pas du tout adaptés. On dirait que vous avez pas envie que je la pécho. Ben, en même temps, moi, je pars du principe qu'elle veut que je change mon style. Ouais, déjà, c'est pas bon. Mais moi je suis prêt à tout pour trouver l'amour. Je cherche des trucs sobres, simples, pas trop colorés pour gagner le cœur de la femme de ma vie. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Elle s'appelle Lou Baudry. Mais là, wow! Vas-y, il me faut absolument ça. Ah oui! Clara, j'en ai vraiment marre de toi. J'en ai marre de toi. Du coup, t'achètes rien de noir quoi. Pourquoi un truc noir? Je sais pas, on avait un but aujourd'hui non? Ah oui, sobre, discret. Bon, c'était dit, mais bon. Tu penses que c'est mission accomplie? Ah oui, ça va beaucoup. Mission accomplie. Ça va beaucoup. Je pense qu'elle va même t'épouser deux fois, je pense. Tu penses que je vais pécho? C'est certain. Voilà. Et ben ça, les amis, c'est comme ça que je devrais m'habiller pour plaire à Lou Baudry. Oui, ça va, c'est ça, ouais. Exactement. Ouais. Regarde. Salut,
Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment essayé de prendre des trucs qui te ressemblent. C'est un standard pour plaire à nous. Mais, parce que je pense que Charles sera un meilleur conseiller. Mais d'ailleurs, il te faut un petit sautoir comme ça. Ouais. Important le petit sautoir. Petite pochette et tout. Toi, ça va encore. Très parisien. Ah, vous allez bien ensemble, vous deux. Ouais. Fais la grenouille pour voir. Si c'était toi, ouais. Tu viendrais ici, tu prendrais quoi? Franchement. Vous êtes tous contre moi du coup. Un petit peu, mais là, ça tu peux le porter vraiment. Et puis regarde, tu rajoutes ça en plus. Oui. Ouais. Je pense que voilà. Il y a personne qui veut m'aider. Ouais. C'est Bastos contre le reste du monde. Une petite chemise et un t-shirt BCBG comme ça, tu vois. Oh là là, short kaki, mais tu crois que j'ai quel âge? 32 ans. Mais bien sûr. Pas bouger, néné. Ah, trop bien, comme ça. Pas ça bouger. Fait petite, C'est trop mignon, ça fait petite mamie qui va marcher. Ouais, c'est trop mignon. Voilà, après cette petite séance de shopping, je suis confiant que vous allez apprécier la différence avec l'aide de Charles, de Mathilda, de Clara. J'ai récupéré quelques vêtements qui, à mon avis, vont taper dans l'œil de loup. C'est parti, on part pour l'essayage. Je vais aller essayer ça avec Clara. Ah, putain, c'est impeccable. Ah non, c'est bien. Pas mal hein, comme style. Ça va hyper bien ensemble. Tu penses que Lou, elle va kiffer? Ouais, bah ouais. Je pense qu'elle s'attendait à ça. Je pense aussi, hein. Bon, bah, je crois que là, elle peut plus résister à mon charme. Pendant qu'on en est à la moquerie. T'aimes pas? Ah si, c'est très stylé. Ça donne bien dans le miroir, parce que tu vois, on est vachement assorti. En vrai c'est stylé. C'est assez stylé. Next. Bon voilà, c'est peut-être pas vraiment ce que vous attendiez. Toujours est-il que le message est: je ne vais jamais changer mes goûts vestimentaires pour une meuf, c'est hors de question. Alors je tire une immense croix sur Lou. Je vais lui montrer dès maintenant mes nouveaux petits looks pour Ibiza dans ma story Instagram et on verra si elle y répond, on verra ce qu'elle en pense. Venez, je vous donne rendez-vous donc sur Instagram pour aller voir. En tout cas, si vous avez kiffé cette petite vidéo relooking, vlog, shopping avec mes potes, n'hésitez pas à liker la vidéo, à souscrire à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Moi, je vous dis à dimanche prochain, je vous fais des gros bisous, ciao ciao.